Tout de suite. L'atelier du Caire et plus précisément la salle NG à Flatone a accueilli l'exposition sculpturale de l'artiste Dr. Mohamed Zakariam. Elle a regroupé 48 pièces sculpturales faites en différentes matières, bois, granit ou marbre. Malgré la variété des œuvres, un point commun les réunissait, c'est celui de la grande capacité à innover et la maîtrise de la technique sculpturale. اولا يعني هي الفن لازم عشان الواحد يبقى فنان لازم يبقى موهوب ما تنفعش موهبه من غير دراسه ودراسه من غير موهبه فانا ظهرت الموهبه الفنيه وانا En tant qu'artiste et maître de conférence, je voulais confirmer l'idée que la passion de l'art est une base sine qua non. Ensuite, les études viennent compléter. J'ai commencé à sculpter à l'âge de 10 ans avec de la boue, je confectionnais des personnages, je m'en rappelle. Puis j'ai intégré la faculté des beaux-arts et à l'université d'Alexandrie. Étant étudiant, j'ai été fasciné par les sculptures de Sigeni et je les imitais. Je suis professeur maintenant et je m'efforce à développer les passions des étudiants. Je peux vous dire que certains étudiants sont des artistes en herbe et qu'il faut tout simplement remarquer. Thank you.
La sculpture est l'art le plus difficile à maîtriser, mais malgré cette difficulté, il attire de plus en plus d'artistes. Les matières les plus utilisées sont la pierre, le bois et le marbre. والله انا بحب الاتجاه البنائي والاتجاه التكعيبي في الفن ومن رواد الاتجاه التكعيبي والبناء الفن الفنان جمال السجيني وبرضو الفنان محمود مختار بنلمس في اعماله الاتجاه التكعيبي. La sculpture est un art difficile certes mais l'artiste prend plaisir à réaliser une œuvre sculpturale. Le travail du sculpteur est plus important et il requiert une grande concentration et plus d'efforts. Le sculpteur a donc une grande responsabilité, d'autant que les œuvres sculpturales peuvent durer, tout dépend de la matière utilisée. Imaginez que votre œuvre puisse rester un siècle. Vous devez vous démarquer, bien entendu. Je reste par exemple inspiré des œuvres du grand défunt sculpteur Mahmoud Mouhtar. Vous savez, laisser son empreinte pour l'éternité, voilà la récompense de l'artiste.
sculpture pour l'artiste est comme la venue d'un enfant qu'on attendait depuis longtemps. Eh bien, c'est la fin de cette édition du Journal de la Culture. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et d'ici là, portez-vous bien.